Bon les gars, que je vous explique vite fait le topo. Je vais voir Max, il est pas au courant que je suis en moto et surtout pas avec ça parce qu'il sait pas que j'ai acheté de moto. Je viens de la récupérer aujourd'hui et il croit que j'ai en voiture, donc je donne rendez-vous à la station essence. Donc on va voir sa petite réaction. Je pense que ça va être sympa parce qu'il s'y attend vraiment pas du tout. J'ai fait tout un stratagème pour qu'il croit que j'allais racheter une moto dans 4-5 mois et du coup il était vraiment dégoûté quoi. Pourquoi ça freine autant comme ça? Et du coup on va voir normalement, si tout va bien il devrait être à la station. S'il n'y est pas, bon j'avoue j'ai le seum. J'avoue là Max, si t'es pas là, ça va pas le faire. Que je me donne pour toi là, pour faire des petites surprises comme ça là. Donc on va voir ça. On va essayer de pas faire de bruit. On va essayer d'être sneaky, qui reconnaissent pas le bruit de la moto. Est-ce qu'il va cramer direct? Tais-toi, petite moto. Ah bah, tu sais quoi, je vais faire comme ça. Comme ça, il m'entend pas. Voilà. On va faire comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à la station. Alors, il est où ce connard? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? J'espère qu'il est là. S'il n'est pas là, j'ai un peu l'aile, je vais pas te mentir. Il n'est pas là. Il n'est pas là ce chien. Il est où? Il est où? Il n'est pas là. Mon plan est échoué. Ah, j'ai tellement l'aile. Je vais aller voir si chez lui. Ça nique hein. Il niquera pas mon plan, non mais oh. Terre dans le feu. Là on dirait genre tu sais les flics là quand ils se mettent en position là, pour arrêter les gens. On dirait trop ça. Et dès que je vois une MT9 là. Je suis en mode sneaky là, dès que je vois sa moto qui arrive normalement par la droite, je démarre, zbre, et je le chope par derrière, par le callback. Mais j'espère que je l'ai pas raté parce que sinon j'aurais l'air un peu con quoi. Je stresse, faut que ça passe. Tant d'efforts, j'ai juré, c'est pas pour rien. Si j'ai fait tout ça, et que au final ça marche pas. Non. En plus tout va bien là, il fait beau, enfin il fait pas froid, il pleut pas, donc c'est nickel puisque je vais pas la sortir sous la pluie. Donc toutes les conditions sont réunies pour que le projet touche à sa fin et réussisse. Salut. Ah non, c'est pas du tout lui. J'ai trop peur, je suis tellement stressé. Dès que j'entends une moto, je crois que c'est lui. Il est où? Putain, mais il arrive quoi? Je suis stressé là, il me fait stresser. Annie Maxou, Annie Maxou, Annie. Oh. J'ai juré maintenant, ça c'est lui. Oh, c'est lui. C'est lui. Opération commando, putain. Voilà, vite. Je prends le sas. Et là, il doit déjà être loin, là. Prenez-moi. Ah, il m'a vu ce bâtard. Je crois qu'il m'a vu.
Il va cramer, elle fait trop de bruit cette putain de moto de merde. C'est vraiment une salope. Bonsoir. La tête de ma mère, je le savais, frère. Je le savais. Sale pute. Aïe aïe aïe. Tu m'as cramé là ou pas quand je suis passé? Non. Même pas, tu m'as regardé, j'ai fait wesh. Non, vas-y, excuse-moi. Mais la tête. Eh, j'étais stressé, frère, j'étais là-bas en train de t'attendre là pendant 10 minutes. Après, je t'ai vu passer, j'ai fait vas-y, je le prends en chasse et tout. Regarde, t'es pris ou pas? Là où je t'ai cramé, bah en fait, j'avais genre même à un moment, genre je trouvais ça grave bizarre il y a un mois de ça, tu vois. Bref, là, tu m'envoies un message déjà à cette heure-là, toi. Y'a un problème. Pourquoi à ce temps-là je dors jamais? Non mais genre en mode c'est grave bizarre que tu sors maintenant. De deux, attends, parce que même ma mère quand je lui ai dit, tu peux demander à ma mère vraiment ce que tu veux, tu lui envoies un message. Eh vas-y, vous êtes nul, laissez-moi. J'ai un rodage à faire, laissez-moi tranquille. Ma mère elle m'a dit quoi? Elle m'a dit c'est sûr Romain il a une moto. Eh c'est Nathalie là, je vais te niquer. Et je sais pas pourquoi moi, la tête de ma mère, je te jure c'est vrai. Quand je t'ai envoyé, ouais c'est grave bizarre. Ouais. Un message. Moi je t'ai dit, genre c'était pour ça. Ouais. J'ai vu. Bah, je vais pas te mentir, le rodage. Ça va. Ouais, là, tu le sens pas. Ouais, de ouf. J'ai envie d'accélérer. Tu vas faire le même que moi ou pas? Ouais. Eh, le all-in, ça, l'arrière, il est magnifique. Ouais. De ouf. Eh, je pense, par comparaison, elle t'a rendu ça va être plus. Ouais, de ouf, par contre, ouais. Elle fait combien de chevaux déjà? Il est perdu dans tous ses boutons. J'ai été perdu dans tous tes boutons. Ça sent interdit, bolos. Ça. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est vraiment ouf. Eh non, mais il est en sens interdit, je te jure. Tu lui fais des appels de part, il s'en balèque. Ah, c'est un génie. Un génie. J'adore. Et no stress dans la vie. Vraiment. See you again. Il a raison, on ressent pas le rodage genre, parce que le cas des chevaux, tu vois, genre, peux me permettre de rouler, genre tout en ne pas dépassant les 5 000. Je peux me permettre des petits accès et tout. On va écouter les conseils de Max, on va faire un rodage comme il a dit. Alors, il y a le 180, et qu'est-ce que je peux faire? Je peux claquer un rapport en bas, et un deuxième. Voilà, pour faire travailler la boîte, et on remonte, et on remonte à la sixième. Voilà, et c'était les conseils de Maxou. Voilà, quand on voit qu'on se fait un peu chier, il faut travailler la boîte, hop, on en met une en bas. Et une deuxième. Ensuite, on accélère un peu, hop, une cinquième. Et voilà comment on fait un rodage à la Maxou. Oula, passant en la cabeça de la périphérique parisienne. En direct du reportage, le périphérique parisien, les nuits compliquées. Un camion a explosé. What? Voilà comment faire un rodage dans les règles de Maxou. Quand t'es là, t'es à 90,
peux te permettre de ralentir un peu pour ensuite claquer quelques rapports en bas. Et une fois que tu auras claqué ces rapports, eh ben, tu pourras faire travailler ta boîte comme il faut. Et ça, c'est un bon rodage comme on les aime. Et voilà, mon ami. On ne dépasse pas les 5000 tours, sinon la meuf de Triomphe va me niquer et mon rodage va être niqué. Thoughts of leaving, when thoughts get thrown.